Dans un monde digital où tout s'enlace, Richard Emmanuel fait la classe. Des chabots puissants comme ChatGPT avec en vase, nouvelle clarté. Oh les chabots, nos assistants, nous répondent et nous skis tout en chantant. Mais attention, ils peuvent se tromper, suivons les bonnes pratiques sans hésiter. Pour éditer un texte trop lourd, Canva s'ajuste et simplifie toujours. Avec des emojis, on décore, et le texte devient moins hardcore. En parallèle, dans une fenêtre à gauche, la conversation flue des proches. Oh les chabots, nos assistants, nous répondent et nous skient tout en chantant. Mais attention, ils peuvent se tromper, suivons les bonnes pratiques sans hésiter. Les réseaux de neurones tels des cerveaux, prédiction des mots, un nouveau flow. Les tokens découpés, transformés en vecteurs, et le texte apparaît mot après mot sans erreur. Mais les chabots parfois trop parfaits donneront des réponses qui ne sont pas vraies. On doit surveiller l'enquête implicite, ne pas croire tout même si ça nous irrite. Pour naviguer dans ce monde incertain, limiter leur usage à notre propre terrain. Avec des premières pensées bien structurées, les réponses deviennent plus assurées. Oh les chabots, nos assistants, nous répondent et nous skient tout en chantant. Mais attention, ils peuvent se tromper, suivons les bonnes pratiques sans hésiter. Pour éditer un texte trop lourd, Canva s'ajuste et simplifie toujours. Avec des emojis, on décore, et le texte devient moins hardcore. En parallèle, dans une fenêtre à gauche, la conversation fluide et proche. La conversation fluide et l'autre développant le jeu, pour des réponses précises sous nos yeux. Les chabots outils et non décideurs, ouvrent des portes mais sans être vainqueurs. Avec prudence, nous devons les guider, car c'est ensemble que nous créons la vérité. Oh les chabots, nos assistants, nous répondent et nous skient tout en chantant. Mais attention, ils peuvent se tromper, suivons les bonnes pratiques sans hésiter. Pour éditer un texte trop lourd, Canva s'ajuste et simplifie toujours. Avec des emojis on décore, et le texte devient moins hardcore. Les réseaux de neurones tels des cerveaux, prédiction des mots, un nouveau flow. Les tokens découpés, transformés en vecteurs, et le texte apparaît mot après mot sans erreur. Mais les chabots parfois trop parfaits donneront des réponses qui ne sont pas vraies. On doit surveiller leurs biais implicites, ne pas croire tout même si ça nous irrite. Pour naviguer dans ce monde incertain, limiter leur usage à notre propre terrain. Avec des premières pensées bien structurées, les réponses deviennent plus assurées. On doit surveiller leurs biais implicites, ne pas croire tout même si ça nous irrite.